connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Que l'amour de Dieu nous recherche. Maintenant, la question que je nous pose, c'est est-ce que nous recherchons Dieu en cet instant? Parce qu'il est là pour nous relever, il est là pour nous sauver, il est là pour nous pardonner. Alors, si tu te penses être trop loin de l'amour de Dieu, sache que le bras de Dieu n'est jamais trop court. Et où tu es, fais appel à lui. Dis, Jésus, viens, viens sauver ma vie, viens me racheter. Merci parce que je suis justifié en ton nom. Merci parce que à la croix, tu as tout accompli et je n'ai peur de rien. Je me tiens devant mes situations, devant mes adversaires et je dis, l'Éternel des armées marche devant moi. Alors crois que Dieu est là, là où tu es et il te cherche. Tourne tes yeux vers lui, ouvre-lui ton cœur et il le remplira. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur n'est trop résisté, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Déclarons-le ensemble. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Oh, l'amour en versant, yeah.
prends un temps pour remercier Dieu, pour remercier de son amour, pour remercier de la croix. Son sang a coulé pour moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu m'as trouvé, tu m'as aimé. Lève ta voix pour l'adorer, le célébrer, car il est digne d'être loué, Jésus. Oh, oh, renouvelle mon esprit. Oh, oh, je fais appel à toi.
Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour cette émission de milieu de semaine, même pendant les vacances, mois de juillet et août, et simplement vous préciser qu'elle vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais sur sa chaîne YouTube de la Cité de Lumière. Et bien sûr, vous pouvez toujours, même pendant ces temps de vacances, nous retrouver en présentiel le dimanche matin, chaque dimanche à 9h30, pour un culte au 46 rue du Faubourg Sermoran, et vous serez les bienvenus pour chacun de ces cultes. Je précise simplement que nous supprimerons un culte pendant cette période estivale, qui sera le culte du week-end du 15 août. Eh bien, ce soir, j'ai repensé à ce que nous avions partagé il y a quelques semaines, peut-être en avez-vous été auditeur, mais peu importe. Le titre de cette émission s'appelait « Amener Jésus avec nous pendant les vacances » ou alors « N'oubliez pas Jésus », je n'ai pas tout à fait le titre en tête. Et l'important est bien entendu de... ce que je vous ai présenté comme étant important, ce que j'estime important, peut-être le voyez-vous différemment, mais c'est pendant chaque jour de votre vie, chaque jour a fortiori de vos vacances, eh bien n'oubliez pas que Jésus doit être celui qui est associé à votre vie, que vous pouvez le prier, que vous pouvez vous adresser à lui, que vous pouvez entretenir une véritable conversation avec lui et ne pas l'oublier même pendant vos vacances.
Peut-être allez-vous dire, oui, mais je ne le vois pas, je ne le touche pas. Mais sachez qu'il y a bien d'autres circonstances où vous ne voyez pas votre interlocuteur. Il peut y avoir le téléphone. À ce moment-là, quels sont les sens qui fonctionnent à ce moment-là? Certainement pas la vue, certainement pas l'odorat, certainement pas le toucher, ça en fait déjà trois de moins. Et si vous enlevez encore la vue, eh bien, lorsque c'est un téléphone tout simple, eh bien, vous apercevez qu'il y a simplement l'appareil vocal qui fonctionne. Lorsque vous regardez une émission sur Internet ou à la télé, eh bien, peu de choses fonctionnent de vos cinq sens. Mais ça n'empêche pas que la communication est établie et qu'elle peut être à sens unique. Lorsque vous visionnez, lorsque vous me regardez, bien entendu, c'est un peu à sens unique. Mais si je vous téléphonais, on aurait à ce moment-là, on établirait un double sens. Ça serait différent. Et tout ça pour vous faire percevoir qu'il n'est pas obligatoirement nécessaire d'avoir une personne en chair et en os, bien que ce soit, je le souligne, bien préférable, pour pouvoir entretenir une conversation. Le style épistolaire, la lettre, existe également. Et à ce moment-là, vous avez très peu de choses. Il reste peut-être le parfum de la personne qui peut être imprégné sur le papier. C'était très très important également. Mais vous n'avez pas la vue, vous n'avez pas l'ouïe, et plusieurs de vos sens sont donc en sommeil, pendant que d'autres sont peut-être plus exacerbés. L'important est d'avoir le contact. Et il m'est venu la pensée d'un récit, un récit qui est plus qu'un récit, c'est un fait pour moi, un fait réel, qui se situe après que Jésus ait été amené captif, ait été condamné à mort, ait été crucifié, soit resté plusieurs jours dans le sépulcre, et ensuite soit ressuscité. Et la scène se déroule dans un lieu qui est connu, c'est le bord du lac de Tibériade. Et sur ce bord du lac de Tibériade, il nous est rapporté le récit suivant. Je le tire d'une édition un peu paraphrasée des évangiles, mais qui est très très facile à comprendre. Quelque temps plus tard, les disciples de Jésus étaient revenus en Galilée. Il y avait Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et deux autres disciples. Pierre décida d'aller pêcher, excusez-moi pour le lapsus, et les autres l'accompagnèrent. Mais au petit matin, ils rentrèrent bredouillant. Ils approchaient de la berge quand ils aperçurent une silhouette qui leur cria « Enfants, n'avez-vous rien pris ?» Absolument rien. Jetez vos filets à droite et vous trouverez. Ils obtempérèrent et les filets furent rapidement pleins au point qu'ils eurent du mal à embarquer le poisson. C'est alors que Jean souffla à Pierre, c'est le Seigneur. Pierre se jeta à l'eau pour le rejoindre. Sur la rive, il constata que le maître avait préparé un feu où grillaient des poissons et des pains. Jésus réclama d'autres poissons de la pêche, et Pierre retourna vers la barque qui accostait. « Venez tous manger, » lança Jésus à ses disciples. C'était la troisième fois qu'il se manifestait à eux depuis sa mort, et ils n'osaient toujours pas lui poser de questions. Après le repas, Jésus prit à part Pierre et lui demanda à deux reprises. « Pierre, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors, sois le pasteur de mes brebis. Mais Jésus, pour la troisième fois, lui posa la même question. Et Pierre, attristé, lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je suis ton ami. Prends soin de mon troupeau et suis-moi. » Là, il y avait le contact. Un contact établi entre un homme impétueux du nom de Pierre, pêcheur de son métier, et qui, quelque temps avant que Jésus ne soit amené, disons, dans ce jugement que l'on qualifiera de tout sauf de juste, Pierre s'était lui-même posé comme presque en sauveur du monde, en adressant à Jésus et à tous ceux qui étaient autour cette parole
Je te suivrai partout, en prison, à la mort. Partout où on t'amènera, je serai là. » Il s'était lamentablement étalé. Il n'avait pas pu passer le premier cap qui était de dire « Je connais Jésus ». Lorsqu'on l'avait interrogé, il avait tout de suite nié le connaître, tellement la crainte s'était emparée de lui. Et c'en était resté là. Pierre était dans le regret, on pourrait dire quasiment dans le remords. Il avait trahi son maître. Son maître qui était en plus son ami, qui était en plus celui qui était son maître à penser, son professeur. Il y avait une relation qui s'était établie avec lui, mais il l'avait trahi. Et Jésus va venir à sa rencontre. La relation est tellement particulière que un seul de ces sept hommes qui sont dans le bateau, petite embarcation, peut-être plusieurs embarcations d'ailleurs, eh bien, un seul reconnaît Jésus sur le rivage. Ils ne l'ont pas vu très très souvent depuis qu'il est ressuscité. Mais ce qui est certain, c'est que Jean, l'homme dont il est dit qu'il était le disciple que Jésus aimait, qui, pendant le repas, le dernier repas de la Pâque, avait incliné sa tête sur le cœur de Jésus, il était le plus jeune de la bande, semble-t-il, du groupe, et il avait posé cette question: qui va te trahir? Car Jésus venait d'annoncer que l'un d'entre eux allait le trahir. Et Jésus avait donné une réponse à Jean. Plus tard, lorsque Jésus va être honteusement exposé sur une croix, nu, dépouillé de toute sa dignité, devant lui, quelques personnes ont fait le chemin. Très peu. Mais parmi ses disciples, Jean se trouve présent. Il a une certaine intimité avec Jésus et il le reconnaît sur le rivage. Il est le seul à le reconnaître. Mais par contre, Pierre, qui est attentif, dès qu'il entend « c'est le Seigneur » de la bouche de Jean, aussitôt, l'homme impétueux se jette à l'eau, rejoint le rivage et va rencontrer le maître avec lequel il a le désir intense de renouer le contact. Il ne peut pas rester comme cela. Ce n'est pas possible. Et il ne sait pas comment les choses vont se faire. Mais nous, lorsque nous voyons ce récit qui se déroule, il y a là un repas, on se croirait en France. Le repas est là, il n'y a pas de saucisson ni de tartine de beurre. Mais il y a du poisson. Il y a déjà quelque chose qui est sur le grill, sur le barbecue, qui est en train de griller. Jésus a déjà pêché par lui-même. Il s'est déjà procuré le poisson. Mais il est tellement tourné avec attention vers ces hommes qu'il aime. Il n'a jamais cessé de les aimer. Et il se tourne en disant « Apportez-moi un petit peu plus de votre poisson. De ce que vous venez de pêcher. » Personne ne va dire « Oui, mais c'est miraculeux, c'est toi qui nous aimes. » Non, Jésus respecte leur dignité et ils apportent ces poissons. Ce soir, ma pensée est de dire, première chose, quelle intimité dans ce groupe. C'est pas, Jésus ne va pas commencer à régler ses comptes, dire, dites voir autour de la... du barbecue, qui est-ce qui a été fidèle envers moi jusqu'à ce que j'ai été crucifié, dites-le-moi. Il aurait pu poser cette question, les mettre mal à l'aise. Il aurait même pu, s'il avait eu envie de plaisanter, ce n'était peut-être pas l'heure, hein, mais charrier un petit peu et dire, vous êtes tous des lâches. Dites-le-moi. Non, non, il mange avec eux. Il les retrouve, et avec le grand plaisir qui est le sien. Il est allé jusque là où il se trouve, parce que il faut bien savoir que ses disciples, ces hommes, ces pêcheurs, étaient retournés à leur activité. Ils n'avaient plus l'intention d'être, je dirais, les sauveurs du monde. Leur intention était de retrouver leur ancien métier, comme si la parenthèse Jésus se terminait.
Mais en faisant cela, eh bien, ils ignoraient que Jésus allait, lui, se mettre à leur recherche et les retrouver. Ce soir, j'ai un désir, c'est que vous puissiez faire la même rencontre. Ah, bien sûr, vous n'irez peut-être pas au bord du lac de Tibériade, bien que je peux vous assurer que c'est très agréable. Mais là où vous êtes, n'y a-t-il pas un rendez-vous qui peut être pris et dans lequel, eh bien, comme le dit le livre de l'Apocalypse, ou l'Apocalypse, je me méfie, c'est un livre peut-être difficile, mais pourtant il y a un texte que je vous laisse avant que nous ayons une petite pause musicale. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette invitation, elle est pour vous. Je vous propose d'interrompre un peu notre programme par une petite pause en chanson et nous nous retrouvons juste après. À tout à l'heure. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.
Je vous retrouve, chers amis, là où nous sommes arrêtés il y a quelques instants, au bord du lac de Tibériade, du lac de Galilée. C'est le même lac. Et bien entendu, ce temps particulier, c'est un temps de communion et un temps de communication. Les deux sont présentes. Parmi les 7 disciples qui sont là, 6 vont dire assez peu de choses, sinon qu'ils vont vaquer à ce repas qui est là servi sur les braises. Mais le repas va se terminer et Jésus va se tourner vers celui qui est peut-être resté silencieux. Je pense qu'il est ému par ce temps. Et à ce moment-là, Jésus se tourne vers Pierre, puisque c'est de lui dont il est question. Et il le prend, nous est-il dit, à l'écart. Il y a des moments dans la vie où nous avons besoin d'être à l'écart. Nous ne pouvons pas vivre notre vie à 100 à l'heure tout le temps. Que vous soyez quelqu'un de plus... disons collectif ou de plus individualiste, vous avez besoin de moments où vous allez vous retirer seul. Et ce moment peut être également un moment où vous allez vous retirer, et je vous le conseille, dans l'intimité de la présence de Jésus. C'est le temps des vacances, mais c'est aussi le moment où vous pouvez réserver du temps individuellement. Vous allez dire, mais oui, mais quand? Au fond de vous-même, n'y a-t-il pas ces moments où vous vous dites, ça serait peut-être bien si j'avais un moment de ce qu'on appelle pompeusement un moment de dévotion, mais un moment que j'appellerais moi-même d'intimité. Un moment dont Jésus lui-même, dans son enseignement, va dire quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, prie ton Père qui est là, qui voit dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je vous invite pendant ce temps de vacances à avoir ces temps particuliers. Vous allez dire, oui, mais moi je ne suis pas religieux, mais il n'est pas question de religion, il est question d'intimité. N'avez-vous jamais prié? Je me souviens que j'ai passé des examens dans ma vie, des examens non pas médicaux, bien que j'en ai passé aussi, des examens scolaires. Et très souvent, eh bien, avant ces examens scolaires, le jeune va se tourner vers les parents et dire « Papa, maman, pense à moi ». Qu'est-ce que ça veut dire « pense à moi » Ça commence de la même façon, mais ça veut dire « prie pour moi », ni plus ni moins. Parce que j'ai un peu la trouille. Je ne sais pas bien si je vais réussir. Et parfois, ces moments sont des moments privilégiés. Et puis après, lorsque l'on a terminé l'examen, eh bien, on a complètement oublié. C'est comme ce jeune homme qui cherchait une place, il cherchait une place de stationnement, il n'en trouvait pas. Je vous ai peut-être déjà raconté cette petite anecdote. Et il cherchait, impossible de trouver une place. Je pense que vous qui êtes automobiliste, vous l'avez certainement vécu plus d'une fois dans votre vie. Et, en désespoir de cause, le petit reste de piété qui était au fond de son cœur lui a fait adresser une prière, en disant, eh bien, Dieu, aide-moi à trouver une place. Et n'avait-il pas fini de prononcer ces quelques mots que, juste sous ses yeux, une place s'est libérée. Et il a terminé sa prière un peu inachevée en s'adressant à nouveau à Dieu, en lui disant, eh bien, ne cherche plus, je viens de trouver. Vous avez compris la leçon de cette histoire, et je vous en laisse goûter toute la saveur. Mais si nous nous retrouvons à nouveau au bord du lac, eh bien, Jésus va s'adresser à Pierre, et Pierre a peut-être pensé qu'il allait passer un mauvais quart d'heure. Mais pas du tout. Jésus va s'adresser à lui, et par 3 fois, 2 fois avec un certain verbe, et 3e fois avec un verbe différent, je ne sais si nous aurons le temps d'en parler dans quelques instants, mais lui dire,
Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment tes compagnons ? Et Pierre, toujours affirmatif, il avait peut-être du remords par rapport à sa trahison, disons-le, parce qu'on parle toujours de Judas qui l'a trahi, mais Pierre a également trahi sa parole. Et rassurez-moi, mais je pense que nous aurions tous fait la même chose. Il n'y avait pas que Pierre qui était en cause. Chacun d'entre nous, nous avons des époques de notre vie où nous n'avons pas tenu parole. Mais Pierre avait besoin d'être réhabilité. Et il va dire à Jésus, mais bien sûr, tu sais que je t'aime. Deuxième fois, Jésus va employer ce verbe d'aimer dans un sens extrêmement profond, extrêmement intime. Et Pierre va répondre par un mot qui va être beaucoup plus léger. Je t'aime. Un verbe qui en grec se dit philéo et que l'on retrouve dans plusieurs racines de mots, la philosophie, aimer, la sagesse, théophile, un prénom qui est peu porté mais bien connu malgré tout, phil c'est l'amour, théo c'est Dieu, ami de Dieu. D'autres expressions. Dans le livre de l'Apocalypse, on trouve une église qui s'appelle l'église de Philadelphie. Phila, l'amour, et Philadelphie, l'amour fraternel. Donc, on voit que cet amour est là. Mais il est d'un degré moins élevé que le premier verbe que Jésus a employé. Mais Pierre, soudain, au travers de son expression, va devenir plus il va se situer davantage à la place où il estime devoir être. Et enfin, pour la troisième fois, et cette fois-ci, Jésus va employer le même mot que lui. Il va lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes, philéo, comme tu viens de dire avant. Et Pierre va comprendre la chose. Il va être même attristé. Il va réaliser que la question de Jésus a changé. La parole de Jésus a la capacité de nous pousser dans nos retranchements. Prier n'est pas faire le fanfaron. L'Évangile nous parle de deux hommes. Un homme qui était un pharisien, donc un homme religieux, profondément versé dans la loi de Moïse, dans les Écritures. Un autre qui était un homme insignifiant, un percepteur d'impôts à la solde des Romains. Quelqu'un, lorsqu'on le croisait, on n'avait que du mépris vis-à-vis de lui. Les deux hommes étaient en train de prier. Le premier en train de dire « Je te loue, Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont avares, pécheurs, etc. » Le deuxième, publicain, l'homme que l'on rejetait, c'est en train de battre sa coulpe. D'être humilié profondément devant Dieu. Et sa prière était tout autre. Sois apaisé envers moi, ô Dieu, qui suis un homme pécheur. Et Jésus va dire, lequel de ces hommes a bien prié? Lequel sera exaucé? Le deuxième, certainement. Car il a été droit et honnête. Il n'a pas été fanfaron. Pierre, à ce moment-là, commence à descendre d'un degré de l'échelle. Et sa réponse est tout autre. Lorsque Jésus lui a dit, « Eh bien, si tu m'aimes, sois le berger de mon troupeau. Je te confie les brebis que je vais laisser. » Mais à ce moment-là, Pierre va répondre, « Mais attristé, nous est-il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Il va toujours lui dire qu'il l'aime. Et c'est sincère, je le crois. Mais en même temps, il va lui dire, tu sais toutes choses. Ce soir, permettez-moi de vous dire que Jésus sait toutes choses à votre sujet. Ce n'est pas la peine de cacher les choses. Ce n'est pas la peine de faire celui qui peut avoir des secrets. Il y a un chant qui a été traduit en français, qui nous dit la chose suivante, Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît.
Et ce soir, je veux vraiment vous laisser cela sur le cœur. Non seulement d'emmener Jésus avec vous pendant vos vacances, mais également d'entretenir une conversation avec lui, d'être attentif à ce qu'il a à vous dire. Relisez ce texte, il est très 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 intéressant à lire. Il se trouve dans l'Évangile selon Jean, au dernier chapitre de l'Évangile. Et vous allez trouver ce récit qui est tout à fait magnifique, où Pierre, à ce moment-là, est réhabilité. Et quelques instants après, nous n'aurons pas le temps d'aller plus loin, mais Jésus va lui donner une grande leçon, une leçon qu'il est capable d'entendre maintenant. Il va lui dire, « Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. » La ceinture, dans le passé, était là pour tenir le vêtement. Vous voyez, quand Pierre était à la pêche, il s'était dépouillé de ses vêtements, il s'est même dit qu'il était nu. Mais là, arrivé sur le rivage, il s'est certainement revêtu de son vêtement et il a attaché ce vêtement avec une ceinture. Et Jésus va lui dire, ce vêtement que tu portes quand tu étais plus jeune, c'est toi-même qui mettais ta ceinture. Personne n'était là pour t'assister. Mais il viendra un moment où tu élèveras tes mains comme pour laisser ton vêtement aller et quelqu'un d'autre saisira la ceinture, la mettra autour de tes reins et te mènera là où tu ne veux pas aller. Ce soir, je vais m'arrêter, nous allons terminer cet entretien. Êtes-vous prêt à aller dans la direction où Jésus veut vous conduire? Il y a certainement un chemin que vous n'avez pas encore parcouru, mais commencez à le parcourir pendant ce temps de vacances. Relisez ce texte, je vous le conseille. Relisez-le une fois, deux fois, trois fois, et posez-vous cette question. Jésus, est-ce que je suis prêt à lever mes mains, peut-être en signe d'adoration, mais surtout en signe d'abandon, de façon à ce que tu puisses ceindre mes reins. Les reins, c'est le symbole de la force. Que ce ne soit plus moi qui sois ma seule force dans la vie, mais que toi, tu deviennes ma force et que tu puisses m'amener là où tu veux toi-même m'amener. Ça ne sera peut-être pas mon premier choix, mais ça sera le choix que tu voudras pour ma vie. Je vous laisse avec ces quelques paroles. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Nous allons avoir encore un temps musical. Et je vous souhaite également, si vous n'avez pas encore pris vos vacances, un temps de vacances. Et vous donne rendez-vous pour une prochaine émission et peut-être, pourquoi pas, pour un prochain culte dans nos locaux. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse les uns et les autres, vous et toute votre famille. Et à très bientôt. Do 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 do.